Bonjour à tous, on est mardi et bienvenue dans votre nouvelle séance de coaching. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné des joueurs et joueuses de foot du Sporting Club Hérouville. Bonjour. Bonjour. Ton prénom ? Je m'appelle Deraïfin. Deraïfin alias Dédé, c'est ça ? Et Serradi. Et Serradi. Et bien sûr Théo, du coup, qui est responsable du club. Salut Théo, merci d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le football féminin. Parfait. Je te laisse en parler un petit peu, la section qui est mise en place. C'est ça, donc cette année c'est un axe important pour nous, pour le club de foot. Donc on veut vraiment axer le travail sur le développement du foot féminin, d'où Serradi aujourd'hui. Donc il faut mettre en avant les filles, donc on est super heureux d'être là et avec une fille avec nous. Eh ben, je suis content de te recevoir Serradi. J'ai pas souvent l'occasion de faire des séances à des footballeuses, donc je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Du coup, je vous ai préparé un petit circuit training aujourd'hui. Ok, il y aura 7 exercices, 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Ok, on part sur 3 tours, chacun son rythme. Mais l'important, c'est de tenir les 40 secondes d'effort avec les 10 secondes de récupération. Ça va s'enchaîner, ça va aller vite. Au préalable, nous, on a fait un petit échauffement. On est prêt, la température est montée. Vous êtes prêts ? Oui. Voilà, vous êtes contents d'être là ? Oui. Voilà, c'est nickel, j'espère que vous aussi. On met le chrono, on part. Du coup, l'exercice 1, ça sera des squats. 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Je vous donne les exercices au fur et à mesure. Vous êtes prêts ? Attention. Allez, on commence avec les squats. 1, c'est parti, les squats. Allez, on y va. Pied largeur bassin, nickel. Les fesses bien derrière, le menton relevé. On regarde devant soi. Voilà. Voilà, pour le premier tour, squat simple. Après, on rajoutera des difficultés si vous voulez. Hop. C'est vous qui gérez la descente. Si vous ne voulez pas descendre trop bas, allez, on souffle bien. On inspire, on souffle. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Nickel. Allez, allez, on descend un peu plus bas. Allez, les fesses bien derrière, c'est nickel ça. Voilà, encore 8 secondes. Et pour l'exercice 2, on partira en gainage. 2, 1. Ok, 10 secondes de récupération. On se met en position gainage. Nickel. Donc le gainage. Sur les coudes, le regard bien vers le tapis, c'est parti. Allez, on lève. Si vous voulez, sur les genoux, vous contractez bien vos abdos, vous serrez vos fesses. Nickel. Allez, c'est parfait, c'est parfait. Oh, les belles planches. Vous voyez, on pourrait manger ici. Là, si je m'assois ici, là, c'est nickel. Je pourrais manger, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ok, ça bouge pas. Allez, encore 22 secondes. Allez. Je vous rappelle, sur les genoux, il n'y a aucun problème. On regarde bien le sol pour pas qu'il y ait de tension au niveau de la nuque. On pense à bien inspirer par le nez. On expire par la bouche. Allez, allez, allez. On tient. 2, 1, repos. Nickel. On reste au sol. On va venir travailler les obliques. On va venir toucher ses talons avec les abdos. Ok, avec les mains, pardon. Grâce aux abdos. Allez, c'est parti. Voilà. On regarde bien en l'air. On souffle. Si c'est un peu dur, on rapproche ses pieds, des fesses. Et si on sent que c'est facile, on les éloigne un petit peu pour aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, essaye de bien regarder le sol, le ciel. Voilà, tu vois, pour pas qu'il y ait de tension au niveau de ta nuque. Nickel. Allez, on fait l'effort, on va chercher. Allez, allez. Oui. Oh, j'ai des champions avec moi aujourd'hui. Allez. Allez, va bien chercher sur les côtés. Nickel. 2, 1, repos. Ok, on enchaîne tout de suite avec un gainage latéral. Gauche ou droite? C'est vous qui choisissez. Gauche ou droite? Vite, on va bien nos boutons. Gauche, c'est parti. Allez, nickel. Hop. Donc, je vous rappelle, on contracte bien les abdos, on serre les fesses. Si vous voulez, vous mettez un genou en dessous. Voilà. Lève tes fesses, regarde, là, il y a un fil qui doit te tirer. Voilà. Ok, ramène un peu tes fesses sur devant. Voilà, exactement. Contracte bien les abdos, serre les fesses, les épaules dans l'axe. Nickel. Voilà. Parfait. Et si tu veux, tu peux mettre la deuxième jambe en dessous, tu la lèves. Et comme ça, tac, tu as les deux pieds levés. Ça va là ? Allez, allez, allez. Nickel Dédé, c'est solide ça. Parfait, repos. Tu vas être fort dans les duels cette année. Ok, on enchaîne avec abdos ciseaux, jambes tendues, les coudes au sol, et voilà.
Allez, on essaye de tendre un peu les jambes. Voilà, nickel. Allez, vous pouvez. Allez, on essaye. Si vous voulez, vous pouvez poser une jambe, reposer. Vous posez une jambe au sol à chaque fois. Jambe tendue, une jambe au sol, une jambe levée. Allez. Vous voyez, je mets une jambe au sol. Hop. Voilà, ça c'est une option. Voilà, exactement. Tac. Oh là là, ça tremble ici, c'est nickel. On va avoir des abdos en béton. Parfait. On passe, gainage latéral, on a fait quel côté là? Gauche, du coup. Voilà, c'est pour voir si vous suivez, c'est nickel. Allez, c'est parti. Vous voyez, une jambe fléchie en bas. Et voilà, je m'appuie sur cette jambe-là. Le fil toujours qui me tire vers le haut. Épaule, bassin et cheville alignées. Et je contracte fort mes abdos. Mets bien ta jambe au sol. Regarde, ta jambe, elle doit bien être au sol. Tac, comme ça. Allez, relève. Allez, voilà, serre fort les abdos, c'est nickel, parfait, allez, on tient, allez, contracte les fesses, voilà, allez, 5 secondes, 3, 2, 1, ok, on se met debout, dernier exercice du circuit, tu vois, on a déjà fini le premier circuit pratiquement, ça va vite, hein. Là, exercice de footer, montée de genoux. Allez, on travaille le cardio, 40 secondes. Allez, avec les bras, on gère son intensité. Si vous ne pouvez pas mettre deux sauts, sans saut. Tac. Allez, on engage les abdos, on contracte les abdos, on lève le menton. C'est parfait. On a de la chance, nous, on a le chrono et on voit qu'il reste 20 secondes. Du coup, on peut gérer notre effort. Parce que ceux qui sont partis trop vite, là. Allez, avec saut, sans saut. Allez, on baisse pas d'intensité, reste 10 secondes, allez. On est à la fin du premier tour, on aura une petite récup après. Go, on lève les genoux plus haut. Ok, repos. Ouh, on a une minute. Ok, ça va. C'est bon. Et gardez le sourire quand même. Voilà, donc on a fini notre premier tour. 7 exercices, 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Là, on a mis une minute. De récup, j'ai été sympa. Une minute, c'est vraiment cadeau. Et on enchaîne. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour, sixième tour si vous voulez. Mais nous, on s'arrêtera à 3. D'ailleurs, sur le deuxième tour, on coupera un petit peu la récup quand même. Pour ajouter une petite difficulté entre le 2 et le troisième tour. C'est prêt d'aider ? Là, dans les duels cette année, ça va être solide. Il va falloir aller chercher les ballons de la tête. C'est les abdos qui se contractent pour sauter. Montre-nous comment tu sautes haut là-bas. Je dois sauter le plus haut possible. Ouais, vas-y, saute le plus haut possible. Ouais, d'accord, ok. C'est pas mal. Non, il y a quelque chose. Ok, on repart pour les squats. Dans 2, 1, c'est parti pour les squats. Allez. Nickel. Alors, pour ceux qui veulent rajouter, on peut sauter à la fin des squats. Tac. On descend, on saute. Voilà. Et si vous ne pouvez pas sauter, sur la pointe des pieds. Voilà, on rajoute une petite difficulté, une petite option. On descend, on saute. Allez, dos bien droit. Attention, c'est bien les fesses qui partent derrière. Voilà, exactement. Allez, on saute plus haut. Faut un peu monter le cardio. Allez. Nickel. Ça brûle un peu les cuisses, c'est normal. Allez, on descend. Oui. Allez, encore. Nickel. Vous êtes au top. Ok, parfait. 10 secondes. Gainage, tout de suite. Le gainage, c'est pareil, on peut rajouter un peu de gainage actif. Je me mets devant vous. 2. Ok, maintenant quand on est là, on peut venir, comme tu m'as dit tout à l'heure, sur les mains et redescendre. Sur les mains et on redescend. Voilà, si tu veux, tu restes juste en statique comme ça. Baisse un peu tes fesses. Baisse un petit peu, voilà. Parfait. Ok, c'est nickel. Il faut juste que tu serres bien tes abdos. Ton bassin, il ne doit pas bouger quand tu montes, ok? Regarde, j'ai mon verre qui est posé sur ton dos, il ne doit pas tomber. Baisse un peu les fesses. Voilà, reste comme ça un peu en statique. Voilà, là, tu as un beau gainage. Nickel. Allez. 3, 2, 1, top. Ok, génial. Attends, on est pour voir à moitié. Ok, on enchaîne, top talon. Allez, c'est parti.
Allez, on regarde bien le ciel pour pas qu'il y ait de tension dans la nuque. Et on va chercher sur les côtés. Là, on travaille les obliques, c'est les abdos qui sont sur le côté, qu'on oublie souvent de travailler d'ailleurs. Allez, allez, allez. Donc, on est qui vont bien dormir ce soir. Nickel. Voilà, allez. Repos. Gainage latéral gauche. 5 secondes. Allez, mets-toi sur le côté gauche. C'est parti. Allez. Voilà. Regarde. Tu dois être tout en ligne. Regarde, ça doit être une ligne. Hop, tire un petit peu. Ramène un petit peu ta jambe du dessous. Regarde. Voilà, tu dois, elle doit être vraiment parallèle à celle du dessus. Ok ? Voilà. Parfait. Nickel. Voilà, c'est contracté ici, c'est nickel. Allez, allez, allez. Moi ça va, je suis bien. Je sais pas si vous c'est dur, mais moi ça va. Ouais, t'es bien. Ouais, je suis bien. J'ai le bon rôle, hein. Je peux savoir le dire. Allez, je suis là pour vous. Pour vous. Corriger le pied, nickel. Ok, repos, parfait. On passe à l'abdo préféré de Théo. Ciseaux. Allez, c'est parti, tout de suite. Tac. Voilà. Relève-toi, regarde. Relève-toi. Voilà, exactement. Mets les coudes au sol. Voilà. Voilà. Nickel. On essaye de tendre les jambes si vous pouvez. Voilà. Regarde, appuie-toi sur tes coudes. Appuie-toi sur tes coudes. Voilà, exactement. Vous voyez, je suis appuyé sur les coudes. Tac, comme ça. Et je vous dis, une jambe au sol, une jambe au sol. Une jambe au sol, une jambe au sol. Voilà, j'alterne. Pas les deux au sol en même temps. Hein. Hop, hop, allez, allez, oui, ça travaille ça, c'est parfait. 3, 2, 1, nickel, c'est bien ça. Allez, on passe, gainage latéral droit. Et c'est parti, nickel. On va regarder, il met les pieds dans la tête de sa sœur, c'est parfait. Voilà, nickel, allez. Allez, jambe bien parallèle ici. Ici, tu la ramènes. Voilà, le pied armé, droit comme ça. Et là, clac, tire là-haut, là, tire. Voilà, exactement. Hop. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse une ligne. Ok ? Que je mette le genou en dessous plié ou tendu. Allez, allez. Travaille vraiment le centre du corps. Là, vous allez. Ah, des abdos, c'était à la place, bien sûr. Ok, repos. Nickel. On se met debout. Dernier exercice. Allez, et montez de genoux. 40 secondes. Allez. Allez. Quand vous montez les genoux, vos abdos ils doivent être aussi contractés. Surtout que vous venez de travailler depuis le début. Donc vous devez sentir que vos abdos ils sont serrés là. Voilà. On a de la chance puisque, avec les footballeurs, la coordination en général, c'est pas trop mal. Et là, on est pas mal sur la coordination. Allez, on est avec les bras. Allez, voilà, mets les bras un petit peu. Voilà. Allez, on accélère un peu là. Allez, 10 secondes. Allez, on lève les genoux plus haut. On lève les genoux plus haut. Oui, Dédé. Allez, voilà, voilà. Exactement. 2, 1. Une minute. On prend une minute ou on prend moins ? On prend la minute. Ok, on prend la minute, c'est parfait. Allez, on récupère. N'hésitez pas à boire si vous avez de l'eau chez vous. Tac. On prend encore un tour. Ouais. On part pour le troisième tour ici. Parce qu'on est solide. Hein, on est solide. Voilà. Pas. On la refait ? Hein, on est solide. Ouais. Allez, dernier tour. Pour ceux qui veulent, je vous rappelle, vous pouvez partir sur 4 ou 5 tours. Et 3 tours déjà, c'est très bien. On récupère, mets-toi devant moi, vas-y. Donc je vous rappelle les squats. Ok. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. Ok, ça, il faut pas. Il faut vraiment que les fesses aillent derrière et que vu qu'elles sont derrière, tac, ça me fait baisser les cuisses. Allez, c'est parti. Squat et on saute.
nous descend. Pour ceux qui ne peuvent pas, pointe des pieds. On descend, pointe des pieds. Allez, on saute. N'oublie pas de descendre hein, sur tes squats. Descends, descends, voilà. Reste le dos droit, d'accord? Allez, le dos bien droit. Tac, tu regardes devant toi. Voilà. Voilà. C'est génial ça. Allez. Allez. Fesse bien derrière. Voilà. Voilà. Allez. Le dos doit rester droit, d'accord? Tu bouges pas ton dos. Il reste droit, c'est tes cuisses qui descendent, c'est pas ta poitrine. Allez, descends les cuisses. Allez, voilà. Ah, tu fais du bien celui-là. Allez, on enchaîne avec le gainage. C'est parfait. 2, 1, c'est parfait. Pour ce gainage-là, c'est les pieds qui vont bouger un pied après l'autre. Ok? Allez, position planche et on lève. Un pied, deux pieds. Hop, 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 hop. Voilà, baisse un petit peu tes fesses. Voilà, contracte-moi les abdos, fort. Baisse un petit peu les fesses, vas-y. Voilà, parfait. T'es pas obligé de bouger les pieds là. Si tu restes comme ça, c'est très bien, c'est à tire-toi. C'est pour ajouter une difficulté. Encore une fois, c'est pour donner des options. Et je vous rappelle, sur les genoux, c'est très bien aussi. Si vous vous mettez sur les genoux, c'est parfait. Il faut juste tenir. Allez, encore 10 secondes. On s'accroche, on s'accroche. Oui, Théo, on y est, on y est. 3, 2, 1. Ok, repos. Je peux vous dire qu'après, on aura bien travaillé le gainage. 3 exercices de gainage, 3 abdos, c'est parfait. Allez, tape talon, c'est parti. Hop, on commence pas à gratter des secondes. Oui, oui, oui. Toujours au dernier tour. Allez, on y va. Voilà, parfait. Voilà. Reste droit. Ton bassin, il ne va pas bouger, d'accord? Voilà, voilà, c'est ça. Exactement. Allez, on souffle bien. Le regard vers le ciel. Voilà. Tu peux faire des petites danses, moi je suis bien là. C'est bon, il n'y a plus rien à dire. Voilà, parfait, tu vois? Nickel. Repos, gainage latéral. Tu vois, sur tes abdos, il faut bien que tu restes droit et que tu ailles chercher. Tu vois, c'est pas ton corps qui va chercher, c'est vraiment la contraction de tes abdos. Gainage latéral. Top. On est à gauche, c'est parfait. Allez. Tends ta jambe, Dédé. Voilà, il est parfait ton gainage là, il est nickel. Voilà. Allez, essaye de relever le bassin. Voilà. C'est ça. Souvenez-vous, il y a un fil qui vous tire là-haut, vers le ciel. Tac. Parfait. Allez, on souffle bien. On pense à bien respirer. On inspire par le nez. On souffle sur la bouche. Allez, allez, allez. Pas en apnée. Pense à bien respirer. Allez, on s'accroche. 3, 2, 1. Ok, repos. On enchaîne avec les abdos. Ceux qui brûlent un petit peu. Abdos ciseaux. C'est génial, on est sur le dernier tour. Allez, courage. Exercice. Allez, c'est parti, jambes tendues. Voilà, mets-toi sur les coudes. Mets-toi sur les coudes. Voilà, tu vois comme si tu étais tranquillement dans ton lit, sauf que tu lèves les jambes. Voilà. Voilà, c'est parfait. T'es plus tranquille dans le lit quand même. Redresse-toi un petit peu. Remets, mets, regarde, mets. Voilà, regarde. Tac. Voilà. Appuie-toi sur tes coudes. On retient la descente par contre quand on fait ça. D'accord? On retient la descente. On pose, on retient la descente. Voilà. Contracte bien les abdos. Tu sens que ça contracte quand même? Ok, nickel. Allez. Ok, nickel. Allez, gainage latéral droit. Ah bah oui, pour sauter haut et être solide dans les airs et être explosif pour les sprints, il faut travailler le renforcement musculaire. C'est complet. Hein. Pour le foot, vous savez, les professionnels, ils font énormément de renforcement musculaire, musculation, etc. C'est très complet. Nickel. Allez, 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 on contracte les abdos. Là. Reste droit. Reste droit. Tu vois, il faut que ça soit une ligne. Parfait. Contracte les fesses. Nickel. Voilà. Tu vois la différence. Tout de suite, ton corps, il se replace. Allez, vous êtes bien placé là. Allez, allez, allez. 10 secondes. On s'accroche. Un, ok, repos. Allez, on se met debout. Montée de genoux. Allez. C'est les dernières 40 secondes, c'est le sprint final. Je veux vous voir à tout donner. Ok? Exercice. Allez. Allez.
Ok. Ok. On gère pour le moment, on est d'accord. Il reste 30 secondes. Allez, allez, relève les genoux. Allez, allez. Avec le sourire, on met les bras. Allez, 20 secondes. Allez, on commence à lever les genoux un peu plus haut. Allez, on lève les genoux. Voilà, jusqu'au bout. Allez, on met de l'intensité. 10 secondes, on y va, on y va. Oui, oui, Dédé, vas-y, tu peux y aller là, tu peux lâcher. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Go, 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 5 secondes. 3, 2, 1. Exercice terminé. Bien joué. Bien joué. Voilà, tu vois, nickel. Allez, on récupère bien. Marchez un petit peu. Ça y est, c'est terminé. Je vous laisse tranquille. Vous êtes sauvés. Juste, on s'étire un petit peu. On récupère, on s'étire un petit peu. Et vous voyez, on a fait 18 minutes à peine. Et là, c'est très complet. Les abdos, le gainage, les lombaires, un peu les cuisses, un petit peu le cardio. Et ça suffit largement. Si vous faites ça une fois par semaine, ça suffit largement pour vous entretenir, vraiment. Après, c'est un rythme à prendre. Et une fois qu'on a pris le rythme, bah, les exercices, ils paraissent beaucoup plus simples. Donc, nickel. Allez, on s'étire un petit peu. Étirement de footer, hein, vous connaissez de toute façon. Ok, on vient étirer. Est-ce que quelqu'un sait comment elle s'appelle, la cuisse qui est devant là? Ok, on y est. Quadriceps, exactement. On vient étirer les quadriceps. Tu veux t'accrocher à moi? Non, c'est bon. Tu peux mettre la main sur moi si tu veux. Vas-y. Voilà. On souffle bien. Donc c'est bien le bassin qui vient avancer sur cet étirement-là. Quand on avance le bassin, on doit sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Allez, on change de jambe. Petit retour au calme, on en profite pour bien respirer. Je te regarde, sinon ça me fait partir. Proprioception, important. Ok. On va récupérer tranquillement. Allez, une jambe fléchie, une jambe tendue. On a étiré les quadriceps. On étire maintenant l'ischio-jambier. Donc le muscle qui est derrière. Hop. On respire bien. Pointe de pied relevée. La main sur la jambe qui est fléchie. La main, c'est sur la jambe qui est fléchie. Ouais, voilà. Allez, fléchis un petit peu ta jambe. Relève bien la pointe de pied ici. Ok, tu sens l'étirement derrière? Parfait. Ok, on change de jambe. Voilà. Donc, nous, on fait une petite séance d'étirement assez légère. C'est surtout histoire de faire redescendre un petit peu le corps, le cœur. Ok, on se relâche. Bon, c'est quand les prochains matchs? Là, du coup, ça sera pour la rentrée maintenant? À partir du 19 mai, on peut reprendre les séances avec contact. À partir du 19 mai, on peut reprendre les séances avec contact. Ok, cool. Vous êtes pressé là? Allez, on lève les bras, on fléchit légèrement les genoux. Tac. Il y a combien de filles actuellement là, dans la section sportive? Ça va être à... combien? 13. Qui elles sont? Ok, côté gauche. Ok, on vient côté droit. Parfait, on se relâche. Ok, une dernière fois, on va fléchir légèrement les genoux. On va aller chercher bien, 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 bien au ciel. On s'étire, on se grandit. Grande inspiration, allez, on va chercher haut. On souffle, on souffle, on souffle, on exagère. Voilà, on fait ça une dernière fois. Allez, on va chercher haut, 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 bien haut. Allez, on inspire avec le nez. On inspire, grande inspiration. On souffle et c'est terminé, on peut s'applaudir. Voilà, aujourd'hui, j'étais en séance avec le Sporting Club Hérouville. Je vous souhaite une belle fin de saison. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment les matchs vont reprendre, mais je vous souhaite de vite reprendre un peu de jeu. Et puis de toute façon, en septembre, ça repart. Et il faut être prêt pour le championnat. Hein. Avec une séance comme ça, il n'y a plus de choix. Ok? Merci Théo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous du coup mardi prochain pour une nouvelle séance. Ciao!